Oh Mathias, qu'est-ce que tu fais encore sur tes jeux vidéo? Tiens, faut que je te parle d'un super livre que j'ai adoré. Mentir aux étoiles d'Alexandre Chardin. Regarde comme la couverture est belle. Ça t'inspire quoi? Bah déjà j'aime pas lire et ça m'inspire. Oh, t'as tort! L'histoire est géniale! Il y a du suspense du début jusqu'à la fin. Je l'ai lu trop vite. Je voulais trop connaître la fin de l'histoire. Le récit est drôle, amusant, émouvant. Il y en a pour tous les goûts. On passe d'une émotion à une autre, chapitre après chapitre. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de Léon, 11 ans. Il a des difficultés à l'école. Il est rêveur. Il n'est pas comme les autres. Et en plus, ses parents sont Léon, hyper oui, protecteurs avec lui. On y va, ça va être l'heure. D'accord. Comment te sens-tu? Ça va. Vraiment, tu as pas mal au ventre? Un peu. Tu as vérifié ton sac, mon poussin? Deux fois, maman. Banane? Oui. Dans un sachet? Gelé. Fermé? Oui. Élastique autour? Oui. Tu connais tes trois règles? Oui, maman. Tu peux aller mettre ta veste. C'est bien, mon poussin. J'ai peut-être pas poussin devant tout le monde. Il adore la nature, les fourmis. Il adore les animaux. Il a un lapin. C'est son confident quand il a des trop grosses angoisses. Le livre parle aussi du harcèlement. Comme Léon est différent des autres, il va se faire harceler par les troisièmes du collège. Aujourd'hui, le harcèlement au collège, c'est un vrai problème. Le livre, il est très moralisateur et aussi très actuel. Pauvre Léon. Vas-y, bouge. Qu'est-ce que tu fous là? Il est con lui ou quoi? Les fourmis, vous écrasez mes fourmis! Le livre parle aussi de l'amitié. Léon va se faire une amie, Salomé. Salomé? Ouais, mais je t'en dis pas plus. Elle va jouer un rôle important dans sa vie. Ensemble, ils gardent. Salut Léon! Je suis en troisième. Gagné. Et toi en sixième. Comment tu sais que je m'appelle Léon? Je te connais. Ah, tu es jolie. Tu me dragues? Non! T'inquiète Léon, j'ai déjà un petit ami. C'est Jack Sparrow. Bon, faut que j'aille me ranger. Tout ça, je t'accompagne. Salomé? Au fait, Léon, tu sais que je suis la fiancée de Jack Sparrow. Un jour, il viendra me chercher. Vous m'emmènerez? J'adore les pirates. J'ai une tapisserie pirate dans ma chambre. Ça, c'est bien, mon grand. Mais c'est pas pour toi. Les batailles, les tempêtes, les boulets de canon. T'es plus toujours pour ça, toi. Non, j'ai le mal de mer. Ça, c'est bien, mon grand. C'est pas grave, poussin. Tu es très gentil, pas comme les autres troisièmes. Je t'aime bien, poussin. Tu ne triches pas, parce que je n'aime pas qu'on triche. Je triche jamais. Tu veux être mon ami? Ouais, carrément. Tu me protégeras, hein? Ouais. Merci. À une seule condition, Léon. Je te demande seulement de pas parler de moi. Mais ma maman et papa? Surtout pas eux. Je suis ton secret. Ton gros secret. C'est super important, l'amitié. Sans amis, on est peu de choses. Ils nous aident parfois à surmonter nos difficultés et parfois à grandir et avoir confiance en nous. Peut-être. Mentir aux étoiles parle aussi d'amour. Alors à la fin du livre, les parents Léon lui laissent plus de liberté. Ah, pour ça, faut que tu lises le livre. Je vais quand même pas te spoiler. Et puis, harceleur, il le laisse tranquille à la fin. Motus est bouche cousue, je n'en dis pas plus. Et Salomé, elle va finir par l'emmener chez Jack Sparrow? Bah, il y a beaucoup de suspense dans le livre. Et pour le découvrir, faut que tu le lises. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Ah oui, j'oubliais. Au début du livre, Léon est intrigué par cette fille-là. Qui est-ce, maman? Viens maintenant. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est une pauvre fille! Le livre te tient en haleine du début jusqu'à la fin. Merci Adam, je crois que tu m'as convaincu, je vais lire du livre. Les parents Léon, ils vont lui laisser plus de liberté. Mentir aux étoiles parle aussi d'amour. Ah bon? Léon, oui? Tu aimes